Apparemment, tu es la seule élève présente ici. Alors, je vais t'expliquer quel sera ton rôle lors du FIFA. Les deux premiers jours, ton rôle sera de servir aux soirées. Les deux jours suivants, tu t'occuperas plutôt de la maintenance. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi de vous déranger, je suis un nouvel élève, en fait, je suis un élève en immersion. Et donc on m'a dit de venir ici. Ah, très bien. Installez-vous, nous sommes en train de parler du FIFA. Le FIFA? Qu'est-ce que c'est? Le Festival International du Film d'Amour. Ouais, pourquoi international? Mais je vais t'expliquer. La réunion est remise à demain à la même heure. Allez, viens, on y va. Tu peux voir le nombre de films qu'il y a au FIFA. Imagine un peu le nombre de pays présents. Excuse me, where can we watch one shot? Pardon? Don't dare for them was bad one shot. Oh, je suis désolée, je comprends pas. Où pouvons-nous voir le film one shot? Ça, c'est là-bas. Vous suivez la demoiselle, vous prenez la porte et c'est dans la sixième salle. Merci, okay, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. Bon, quel film on va voir aujourd'hui? Je vais voir One Shot, un film croate réalisé par Robert Aurel. Oh non, je préférerais aller voir un autre film. Lequel? Ah, j'aimerais bien aller voir La Prima Nebe, c'est un film italien. Pourquoi pas? Mais tu préférerais pas aller voir un film dont le réalisateur est de la même nationalité que toi? Je suis sûr que tu sais même pas de quel pays je viens. T'es américain, non? Ouais. Alors j'ai un bon film pour toi. Allons voir Un été à Osage County. C'est un film réalisé par John Wells, il est américain. Oh ouais, allez, pourquoi pas, on peut faire comme ça. On fait comme ça, et ta grand-mère, elle va là? Ah oui, c'est vrai qu'il y a quand même énormément de pays représentés. C'est vrai, mais tu sais quoi? Je vais te montrer ça avec un exemple encore plus concret. D'accord. Je vais te montrer en quoi le festival est international, de par le nombre de nationalités présentes et le nombre de films. Ok. Allez. Portugal, tu trouves un film? Ouais, ici, Wild Agis, un film de João Nicolau. Juste. Un autre pays... Les USA. Ici, Atlantic Avenue, de Lord de Clermont. On va faire un peu plus compliqué. Taïwan. Ici, Au-delà de l'hiver, de Joe Zenui. Tu vois, ce festival est vraiment international. Je comprends, mais pourquoi? Mais sache qu'il n'y a pas que le langage parlé, il y a aussi le langage des sentiments qui font que ce festival est international. En quoi les sentiments sont-ils internationaux? Ça, je ne peux pas te l'expliquer. Mais je vais t'envoyer chez Madame Chaplin, elle pourra te donner de plus amples explications. Très bien, merci. Bonjour, excusez-moi, okay. Est-ce que c'est vous Madame Chaplin? Oui, c'est bien moi. Bonjour, je viens de la part de Monsieur Pereira et je voulais savoir en quoi les sentiments sont-ils internationaux? Oui, pas de souci, je vais t'expliquer ça. Mais il faut d'abord que tu saches que les sentiments sont universels, tant l'amour et l'amitié que la haine et la violence. Même si l'amour et l'amitié sont des sentiments qui rassemblent beaucoup plus de personnes. Oui, mais vous ne pensez pas que les personnes âgées ressentent moins les sentiments que nous qui sommes plus jeunes? Ça, je ne sais pas. Mais viens, on va aller regarder des œuvres réalisées par des personnes de générations opposées. Quand même beaucoup d'émotions dans tout ce que vous venez de me montrer. Oui, tu vois, dans la culture, comme les sentiments ou tout autre aspect du festival, tout est international. Oui, en fait, le maître mot dans tout ça, c'est vraiment international. 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 Bon, bah, apparemment, tu es la seule élève. L'élève. Ah oui, c'est vrai qu'il y a quand même énormément de pays présents. Mais d'abord, il faut que tu saches que les sentiments sont universels. Tant l'amour et l'amitié.